tour du monde. L'amour n'a pas de frontières, aucune limite quand tu le sens. Les sentiments s'en vont comme une fumée, autant en emporte le vent. Aïe, 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 pour te rejoindre justement. Baby, don't cry, oh, call my friend, my girl. Ouais, le jeu a commencé. Je suis plus à présenter. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs. Oh, voilà, musique. Voilà. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Moi, c'est le dessin animé de la Gossigam. Salut. Je suis Baba de la Gossiganga, l'homme silencieux, le sous-marin de la Gossiganga. Je ne sors pas parce qu'il faut sortir. Si je sors, c'est que l'affaire est grave. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, on va attendre que les gens se connectent pour rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc, sur ce, commencez à partager parce que là, actuellement, il y a 15 personnes. Commencez à partager. On n'a pas que ça à faire. C'est gratuit, hein. Ouais, kaba, kaba. Voilà. Kaba. On n'a pas volé. Ouais. C'est une idée, c'est dans le sac. Voilà, connectez-vous en tout cas ici. Voilà. On va commencer les affaires. C'est très important. 10, 15 minutes, 20 minutes, tranquille, bien. Entassez nos coups. Voilà. C'est le commando, hein. Voilà. C'est pas un bien qui dit, ouais, à côté de primaire. Hein. Là, qu'on n'a pas à demander. T'as pas à nous vivre. Je vous en prie. Voilà. Je suis avec mon chef. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dans la vie, là, quand il faut reconnaître certaines choses. Ouais. Oui. C'est pas parce que tu es venu en Europe, façon, lui c'est un patron. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, sur ce, la vidéo a commencé. Voilà. Nous sommes devant vous par le biais de ce direct. Voilà, pour nous adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Au peuple de Côte d'Ivoire qui est marginalisé par le Dramon Ouattara, venu de son Saint-Denis natal pour infliger la misère. Il dit bien la misère et la galère au peuple ivoirien. En tant qu'enseigne que ouais, les Ivoiriens sont obligés de fuir leur pays. Bon, moi, je ne connais pas l'histoire de la Bible, hein, mais je connais un peu de la Bible. Ouais, parce que moi, je ne lis pas la Bible. Voilà, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu. Voilà. J'ai fait l'histoire, j'ai étudié un peu l'histoire d'Israël. Puis le peuple israélien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils étaient dans leur pays en Israël. Ils sont venus, on les a chassés tous. Voilà. Et les gens habitaient en Israël, pendant que les juifs, ils étaient à travers le monde, ils étaient éparpillés à travers le monde. Il y a les juifs partout, même en Éthiopie. Voilà, les Éthiopiens, c'est les descendants des juifs aussi. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis, les Éthiopiens, c'est les descendants des juifs. Voilà. Donc les juifs étaient éparpillés à travers le monde. Ils avaient laissé la terre qui était Israël. Quand l'heure a sonné, l'heure du sionisme a sonné, eux tous ont convergé comme un seul homme pour retrouver la terre natale d'Israël afin de chasser l'envahisseur. Donc c'est dans ce cas de figure que la Côte d'Ivoire est. Dramon Ouattara a obligé les Ivoiriens à s'exiler. Voilà, c'est pas nous qui sommes devant vous qui vous devons le contraire. Lui c'est l'exilé, c'est un gendarme. Moi je suis un gendarme. C'est par la faute de Dramon Ouattara que nous sommes ici. Nous sommes ici. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, hier j'avais fait une vidéo où
le sujet était le mot d'ordre. On dit les Ivoiriens attendent un mot d'ordre. Moi, je ne sais pas de quel mot d'ordre ils parlent. Voilà. Je ne sais pas de quel mot d'ordre ils parlent. Parce que lorsque un être humain, c'est-à-dire toute tête qui vit, qui respire, est en danger, il fait appel à son instinct de suivi et de suivi qui est un comportement réflexe. Voilà. Les RD, là, ce qu'on fait, ce qu'on va faire école, là, comportement réflexe, ça rendu grenouille décérébrée, nerf sciatique, ta jambe bouge là. Voilà. Donc, toute tête vivante qui se sent, qui est face à un danger, fait toujours appel à son instinct de suivi pour pouvoir se frayer un chemin afin de prendre la poudre des tempêtes pour échapper à ses détracteurs. Ou bien, tant il n'y a pas d'issue, il est obligé de se battre au péril de sa vie pour préserver sa suivi. Voilà. Mais les Ivoiriens, ils attendent mot d'ordre. Ils sont marginalisés. Draman les viole depuis 1999 jusqu'en 2016. Ils attendent mot d'ordre. Attends. Les gens, ils mettent en commentaire comme quoi, ouais, mais dans le temps de Gbagbo, Blé Goudé donnait des mots d'ordre. Mais Blé Goudé, c'est lui qui doit pouvoir. Voilà. Et son mentor, c'était Gbagbo. Donc c'est normal qu'il donne des mots d'ordre. Mais vous êtes dans l'opposition. Vous attendez mot d'ordre. Non. Lui, il ne peut pas attendre mot d'ordre. Et je vais vous donner un petit exemple terre à terre. Voilà. Même dans l'administration, ça se passe. Je ne sais pas si chez vous, ça se passe. Mais un exemple terre à terre. Chez nous, le corps habillé, que ce soit gendarme, policier, douanier, haut forêt. Moi, je prends moi, mon cas, la gendarmerie. Quand notre chef, nous, il nous prend comme ça, on dit, messieurs, prenez vos armes, vous êtes cinq, allez surveiller la route. Là, quand vous nous voyez dans le corridor, là, nous, on va pour surveiller la route. Et nos chefs, ils nous donnent la main courante, on écrit papier. On dit, vous allez pour surveiller la route. Mais quand on va, on surveille la route et on raquette. Mais pourtant, nos chefs, ils savent qu'on doit aller avoir l'argent. Mais ils ne nous disent pas, allez raqueter. Voilà. Nos chefs, ils ne nous disent pas, allez raqueter. Ils disent, allez surveiller la route. Maintenant, on dit le militaire, où on l'attache, c'est là qu'il broute. Maintenant, nous, on fait maintenant appel à notre sixième sens et on raquette. Sinon, le chef, il sait qu'on va raqueter, mais il va jamais nous dire, allez raqueter. Mais par contre, il dit que vous revenez, faites le CR, compte rendu. Quand tu as venu en casette, tu as dit, ah, service effectué, il y a RAS, il va dire RAS. Oh, pourtant, il ne t'a pas dit, va raqueter. Il t'a dit, va surveiller la route. Maintenant, nous, maintenant, on aménage maintenant, nous, on raquette. Donc, c'est pour vous dire, il n'y a pas un politicien qui va vous dire, ouais, descendez les rues, allez casser, allez bouter votre rang. Non, ils vont utiliser la manière. Ils vont vous dire, ouais, le peuple doit prendre ses responsabilités. Voilà. Quand on te dit, le peuple doit prendre ses responsabilités, ça veut tout dire. Voilà, c'est même chose pour nous. On dit, allez suivre la route. Allez suivre la route. Corridor 6, corridor 1, corridor 2, corridor 3. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, corridor 6, c'est à l'épée, à Niama. Corridor 2, c'est Jesco, en bas, vers Daboula. Corridor 1, c'est à la Yéripo, là-bas. Corridor 3, c'est sous la route à l'épée, là. Voilà. Et corridor 4, c'est pas celui-là. Ça, j'ai tout oublié. Voilà. Quand nous envoie en mission, on dit allez suivre la route. Mais non, ça va. Nous, on va pour raqueter. On va suivre la route et on raquette aussi. Voilà. Donc, j'ai passé la parole à mon jeune. Voilà, va vous entretenir. Salut. Comme le chef a bien dit, il a tout dit. Si nous sommes ici devant vous, c'est pour vous parler d'un fait vraiment qui nous marque aujourd'hui. C'est le fait que Alassane Draman Ouattara veut s'emparer de la Côte d'Ivoire, d'une troisième république. Nous disons non. Ivoirien, Ivoirienne, c'est le moment de prendre son bâton de pèlerin. Gbagbo a toujours dit comme exemple, quand on t'envoie, faut ça va t'envoyer. Vous comprenez? C'est ça se passe dans le minds. Aujourd'hui, d'autres diront que non, vous êtes là-bas, vous lancez le mot d'ordre. Ce n'est même pas un mot d'ordre. Mais c'est quelque chose qui doit être inné en vous. Du fait que Ouattara déjà se plante là avec ce même Youssou Bakayoko qui a planté la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans ce désastre dans lequel aujourd'hui nous sommes aujourd'hui. Des Ivoiriens exilés de part et d'autre, des filles qui sont obligées d'aller se prostituer de part et d'autre. Vous voulez qu'on vive encore dans cela? Quel mot d'ordre vous entendez? Dites-moi, cher Ivoirien. J'entends ici qu'on attend le mot d'ordre de l'opposition. Ils n'auront qu'un mot d'ordre. Le mot d'ordre doit venir de vous-même. Prenez vos responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit, Ivoirien, Ivoirienne. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en exil. Pour ceux qui nous connaissent, on a fait ce qu'on pouvait vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. On a fait ce qu'on pouvait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Mais Ivoirien ou Ivoirienne, de la main, on arrête aujourd'hui le ministre Aboudama Sangaré et on le relâche. Ils savent pourquoi ils le relâchent.
Ils savent un peu de ce quoi il s'agit. Ils savent aujourd'hui que l'opinion internationale est braquée. Ouattara n'est pas aimé. C'est à vous de démontrer cette force-là pour vous montrer que, à l'opinion internationale que Ouattara n'est pas aimé. Il force. On ne force jamais l'amour. Pour les femmes qui savent, l'amour ne se force pas. C'est inné. Quand une fille t'aime, elle t'aime. Mais on n'aime pas Ouattara. Vous voulez quoi? Ivoirienne, ivoirienne. Il n'aura même pas un mot d'ordre. Je tiens à vous le dire. Il n'aura pas un mot d'ordre. Je vois tous mes amis en train de faire des vidéos, c'est en train de se sortir ici, vive la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire doit vivre. Mais la Côte d'Ivoire va vivre, c'est pas vous. Une révolution, c'est vrai. Quand vous voyez la France aujourd'hui, la France était libérée. Quand nous, on vous parle de la place, la Bastille, les batailles qui se sont menées là-bas, c'est quoi? C'est une révolution ivoirienne. On n'a pas des âmes, vous le savez très bien. Nous, nos âmes, c'est la bouche. C'est l'oratoire de vous entretenir toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que nous sommes là sur Facebook parce qu'on n'a rien à faire? Non! Il est important de vous dire certaines choses. Ce que nous on pense, c'est ce qu'on met vis-à-vis de vous. Grâce à vous, nous on est là. On tient. Le président Gbagbo nous dit si qu'on est, on bat les pavés dans les rues de Paris, de Amsterdam, de partout en Italie. Quand vous soutenez, moi je tiens aussi. C'est de ça qu'il s'agit, voilà. Nous on est là, on vous donne, on tient ici. Mais tenez bon là-bas, c'est à vous. Tout ce que nous sommes en train de faire ici là. On prend notre temps en train d'aller insulter les blancs ici, de part et d'autre. Nicolas Sarkozy, et comme il s'appelle François Hollande, même Manuel Valls, on insulte ici. Ça va nulle part. Mais qu'est-ce que vous attendez? C'est ce que moi je tenais à vous dire, il n'y aura pas de mot d'ordre. Le mot d'ordre doit venir de vous, Ivoirien, Ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous attendez? Ouattara va prendre encore de l'âge, encore si encore du voix, encore, mais non! C'est là, du fait que tu touches à la constitution du pays, mais aujourd'hui, demander à cet imbécile qui est là-bas, là, en Côte d'Ivoire, comme à Blaise Compaoré, il a acquis la nationalité où? Mais vous devez comprendre qu'aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer, en dit quand Dieu met à nu, Dieu est en train de mettre à nu aujourd'hui tous les plans de Ouattara. Good Lord, Donatan, il s'en fait en Côte d'Ivoire. Ivoirien, comprenez? On n'a pas besoin de vous dire. Vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a pas des armes. Sachez que si on vient attaquer la Côte d'Ivoire, le loup tribu, ce n'est pas vous les Ivoiriens, c'est pas vous les militaires qui vont perdre le loup tribu, c'est vous les civils qui allez perdre le loup tribu. Mais voilà pourquoi on veut que cette révolution passe par vous. C'est important. La révolution doit passer par vous. Les mains nues. Vous savez comment on combat. Vous savez comment le président Gbagbo nous a appris à combattre. Mais pensez-vous que si vous voulez Gbagbo voulait faire une rébellion, il y a longtemps vis-à-vis de Oufouet. Mais il a dit, il était en exil ici, à Vitry, dans les parages ici, où je vous parle actuellement. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Antoine, il y avait le G8 de François Mitterrand, de tout. Viens, tu vas enlever Oufouet. Il dit non, je ne ferai jamais ça par les âmes. Mon jour viendra. Ivoirien, l'heure a sonné. C'est à vous. C'est à vous et à vous. Il n'aura même pas un mot d'ordre. N'attendez pas la bouche à Abdourahman Sangaré. N'attendez pas la bouche de X. Ils diront que non, ils sont assis dans le beau salon, ils ont une maison. Non. Une révolution, elle se tient en main, Ivoirien. Elle se tient en main. C'est à vous le destin. C'est pas nous. Le combat que nous menons aujourd'hui là, c'est pour qui? De vous à nous, c'est pour qui? C'est pour nos enfants de demain. Sinon, nous, on se dit, on l'a déjà vu, c'est pour nos enfants de demain. Et nous, on fait ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. On ne fait pas ça pour qui? On n'a qu'un seul pays. Même si on vit en Europe, on n'a qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Si vous voulez, on nous donne la nationalité française, chinoise, londonienne, etc., etc. Mais la Côte d'Ivoire reste toujours notre patrie. Nous savons d'où nous venons. Et c'est de ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle chaque jour nous sommes en train de faire des vidéos. Mon collègue ici, dessin animé, il bat le pavé. Et Johnny Pacheco, je vais prendre les mots, qui bat le pavé si les réseaux sociaux. Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire? Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire? Ou bien d'après vous, l'expression, ils cherchent le buzz? Non! Dans le buzz, il y a la mort, il y a. Dans le buzz, il y a la mort, il y a. Ils vont suivre encore le buzz? Non! On peut dire qu'on sera là, on ne parle pas, on est là dans nos coins, on se retranche dans nos coins. Mais on parle, c'est pour vous, les Ivoiriens. Autant que nous sommes ici, matin, dans le froid, nous partons battre le pavé pour aller travailler. Nous sommes vos sources d'inspiration. Et effectivement, parce qu'aujourd'hui, si nous, on mange, vous pouvez avoir encore des retombées en Côte d'Ivoire. Quand tu es là, ton téléphone sonne. Allô, tonton, tanti, j'ai besoin de X. Ivoirienne, Ivoirienne, je vous en prie. Il n'y aura pas de mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est vous. C'est de vous qu'il s'agit. Sincèrement, voilà ma part de vérité. Trop, c'est trop. Mon sorcier doit mourir. Et l'autre sorcier, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il doit quitter le pouvoir. Et vous, c'est vous qui avez la solution. Je vous remercie. Voilà.
Donc, pour corroborer les dits de mon jeune, il a tout dit. Moi, j'essaie un peu de faire un additif. Voilà. C'est pas Jésus qui va venir vous sauver. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà. Même les Israéliens, où Jésus est né là, quand il y a le sioniste, c'est pas Jésus qui était devant. Voilà, c'est eux-mêmes, ça sonnait comme ça, comme un cri d'alarme. Et eux tous ont convergé vers la terre pour pouvoir chasser l'ennemi. Voilà. Donc, moi, selon ma lecture de la chose, je me dis, ah, la Côte d'Ivoire est assimilée au peuple d'Israël. Voilà, parce que nul n'est censé ignorer qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil. J'espère que l'heure de nous, notre sionisme aussi, va sonner afin de converger comme un seul homme vers la Côte d'Ivoire pour pouvoir bouter Ouattara qui est l'oppresseur. Il change la constitution, c'est pourquoi? C'est pour pérenniser son pouvoir. Notamment Ouattara veut vendre, veut brader nos terres. Et ce n'est pas une histoire de Probabo, ce n'est pas une histoire de ici Doula, ici Bété. Moi, je suis là, moi, ici, je m'appelle Sissé Malik, à l'état civil. Voilà. Je suis ça du Nord, ici, de Béliban. Souvent, mes frères du Nord, ils me menacent pour dire, pourquoi toi, tu fais quoi le Kobala? Il dit, non, mais ce n'est pas une histoire de Kobala. Ce n'est pas une histoire de Kobala. Rappelez-vous en 99, rappelez-vous en 2002, quand mes frères du Nord ont pris le pouvoir, ils ont endoctriné nos frères, comme quoi, non, que Gbagbo Yamoro Nounou est en train de vous tuer. Gbagbo Yamoro Nounou a fait ça. Que ouais, le Nord est délaissé. Maintenant, eux-mêmes, ils ont pris le pouvoir. Ils ont construit quoi au Nord? Il y a toujours puits au Nord. C'est toujours cabane. Cabane en Banco, c'est tout ça qui est au Nord. Ils ont développé quoi au Nord? Rien. Ils n'ont rien développé. Et encore, ils vont se servir encore de cette alibi pour pouvoir encore venir attaquer la Côte d'Ivoire parce qu'il y a combien ils ont pris le pouvoir. Mais rien n'est fait au Nord. Il n'y a pas d'infrastructure au Nord. Et moi, j'avais fait une vidéo comme quoi, j'ai dit à mes frères du Nord, il dit, mais d'une part aussi, c'est vous votre faute. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nul n'est censé ignorer que c'est les gens du Nord qui détiennent les commerces, que ce soit le secteur informel, que ce soit le secteur industriel. Mais pourquoi vous, les gens du Nord, quand vous avez l'argent, vous préférez construire Abidjan? Abidjan, c'est pas votre terre. C'est pas chez vous. Abidjan, c'est les ébriers. Donc, quand vous avez l'argent, vous devez développer le Nord. C'est pas au gouvernement de le faire. Le gouvernement, c'est quand vous allez construire la maison et le gouvernement va voir que ah, les gens se débrouillent et vont venir tracer le goudron, construire des choses, des institutions sanitaires, voilà, des maternités, des hôpitaux, tout ça. Mais c'est quitte à vous de construire le Nord. Mais vous avez, on a tout l'argent, on a les transports, on a tout le secteur informel, mais on délaisse le Nord. Il y a d'autres, les Ouattara, ils ont fait une rébellion. Ils n'ont pas construit au Nord. Hein. Ils n'ont pas construit, ils sont venus construire au Burkina. Il y a une cité qu'ils ont construit, Ouaga 2000. Selon que même la fête rébellion, ils n'ont pas construit au Nord. Hein. Effectivement. Donc ça doit vous interpeller tout ça là. Ça doit vous interpeller. Les gens, ils font les marches hier. Il y a des jeunes du Nord qui descendent pour aller les attaquer. Mais je sais qu'il y a aussi ce mot d'ordre. C'est Amiral Blindé. Amiral Blindé Karamoko. Je te tiens pour responsable. Parce que c'est toi, lors de ta vidéo, tu as dit non si les gens du FPI ou les propagos marchent, que aussi les militants de Ouattara descendent dans les rues pour aller se battre avec eux. Donc ce qui s'est passé, voilà, je prends l'opinion nationale et internationale à témoin. Voilà, c'est toi qui as lancé ce mot d'ordre afin que les gens du RDR descendent dans les rues pour aller attaquer les manifestants. Voilà, Amiral Blindé Karamoko, je te tiens pour responsable. Pour ceux qui pensent que vraiment, allez regarder une de ces vidéos où il a appelé les partisans de Ouattara à descendre dans les rues. Lorsque les gens du FPI sont dans les rues pour aller faire les meetings. Voilà. Donc, l'un n'est plus à la rigolade. Voilà Leïla Bamba. C'est une fille du Nord. C'est pas pour dire que nous l'avons endoctriné. Voici Youssou Fofana qui fait des vidéos. Qui dit que Ouattara est dans une imposture qui ne dit pas son nom. Ouattara veut s'éterniser au pouvoir. Ouattara veut se pérenniser au pouvoir. Et tout ça pourquoi? À la solde de ses amis les Occidentaux. Mais moi, j'ai jamais vu un gars qui peut travailler pour faire du mal à son peuple. C'est de ça qu'il s'agit. On nous parle, on dit non. Que ouais, vous êtes en Europe, vous gueulez, vous parlez. Mais dans un avion là, si tout le monde voulait être pilote, qui allait être passager? Qui allait être hôtesse? Voilà. Dans un avion, si tout le monde voulait être pilote, qui allait être passager? Qui allait être hôtesse? Donc c'est pour dire, chacun a sa part de responsabilité à jouer dans cette lutte que nous menons. Voilà. Il y a les gens qui sont là, les politiciens là. Eux, là, je vous donne l'exemple. Sinon, en tant que politicien, lui, il est là pour le côté politique. Vous, êtes là pour marcher. Nous, on est là pour faire les vidéos.
Nous sommes là pour vous galvaniser. Et ils sont là pour donner des directives. Voilà. Ils sont là pour donner des directives. Mais vous dites non, on attend un mot d'ordre. Mais un politicien, il est dans l'opposition. S'il donne un mot d'ordre, ça sera réprimé parce qu'ils vont dire, ouais. Ils vont dire, ah, le politicien a dit non. Il a appelé à la désobéissance civile. Ou bien il a incité, il a porté atteinte à la sécurité de l'État. Ça, c'est mon nom, Côte d'Ivoire. Voici la dame Néo, maman Néo. Elle était chez elle carrément. Hein. Carrément, elle n'a même pas pour dire, elle n'a pas témoigné contre Bagbo. On dit qu'elle a porté atteinte à la sécurité de l'État. Mais imaginez maintenant Abdoulaye Sangaré ou bien Boni Claveri, Mamadou Koulibaly qui viennent devant vous pour dire, non, descendez dans les rues, allez casser. Mais eux maintenant, imaginez les sorts. Effectivement. Ici en France, ici, hein, pour être ici en France, ici, lorsque la CGT qui a manifesté contre la loi anti-travail, ils n'ont pas dit à les gens, venez casser. Ils ont dit, venez, on va manifester. Mais les manifestants, ils sont venus avec des sacs, avec des marteaux, avec des haches, pour venir tout casser. T'as vu? Donc il y a ce qu'on dit, et il y a ce qu'on fait. Voilà. On ne doit pas tout vous dire. J'ai pris un exemple terre à terre, chez nous dans l'armée. Ton patron dit, va surveiller la route. C'est route, non, surveille. Mais en bas de ça, on raquette. Voilà. Pourquoi on raquette? Bien mettez, c'est mauvais. Mais parce que le salaire n'est pas consistant. Les denrées alimentaires sont chères. On ment sur nous autour de Bagbo. On disait non, ah, c'est passé, ouais. Les gendarmes raquettaient ou bien les policiers raquettaient que ouais, il y avait la flambée des prix des denrées alimentaires. Maintenant, je vois tranquillement. Personne ne raquette. Je vous dis, personne ne raquette. Mais la flambée des prix a atteint son paroxysme. Allons-nous assister à cela? Jamais. Donc, Ivarien, il est temps de prendre vos responsabilités. Ayez un instinct de suivi, même les animaux, je vous dis bien. Le buffle, quand il est encerclé par les lions, il fait appel à son instinct de suivi pour pouvoir prendre la poudre de scampette. Voilà, c'est pas tout, on doit vous dire. Vous attendez Mamadou Koulibaly pour dire non, il n'a qu'à dire mot d'ordre. Il n'aura jamais. Mot d'ordre. Si vous voulez attendre mot d'ordre là, c'est mieux, on va attendre Jésus. Voilà, on dit Jésus revient. Voilà, on dit Jésus revient. Bon, on va l'attendre. Voilà, parce que comme c'est lui qui s'est sacrifié pour nous, pour pouvoir éponger nos péchés, on va l'attendre. Et quand il va venir maintenant, il va maintenant abréger nos péchés. Voilà. Mais il y a un autre passage de la Bible aussi qui dit, aide-toi et le Seigneur t'aidera. Mais vous ne voulez pas vous aider, vous voulez que Dieu vous aide. Jamais. Mais Dieu c'est vous. Hein. Dieu c'est vous. Parce que Dieu, on dit Dieu, on a été créé à l'image de Dieu. Donc si nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est que nous sommes des petits dieux, évidemment. Nous sommes des petits dieux avec un petit D. Voilà, avec un petit D. Parce qu'on dit, on était créé, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Oui. Mais vous attendez Dieu pour vous sauver. Mais il y a un paradoxe. Donc, mes frères Ivoiriens, dans mon travail, vous a tout fait. Je ne sais pas encore quelle occasion vous attendez pour le bouter du pouvoir. Parce que c'était le dernier village que vous devez saisir, cette aubaine, pour pouvoir le bouter. Référez-vous au peuple burkinabé. Ils ont été marginalisés pendant 30 ans par Blaise Compaoré. Mais lorsque Blaise était mis au pouvoir, ils se sont levés comme un seul homme. Et qu'il a touché. Voilà. Petite constitution. C'est là. Extrait de naissance. C'est comme si Ouattara était là. Moi, je m'appelle Cissé Malik. Et vraiment, Ouattara dit non. Que tu t'appelles Cissé Malik. Mais tu t'appelles Sogodogo. Mais pourquoi? Mais moi, il n'aime pas de pouvoir conserver mon nom. Il n'aime pas de pouvoir être digne. Donc, c'est dans ce cas de figure nous sommes. Voilà. Il veut faire appartenir à l'État. Mais imagine. Toi, ta tête, ta. Vous imaginez. En Afrique là-bas, là, nous sommes des cultivateurs. Voilà, nous sommes des agriculteurs. Et ça se transmet de père en fils, de génération en génération. Quand on va à une forêt, quand il meurt, c'est toi qui prends, tu cultives. Mais tellement on t'a dit, ça ne va pas se passer comme ça. C'est les terres lui appartiennent. C'est maintenant vous, votre terre de votre village, vous allez louer ça. Et puis imagine, si vous avez créé une entreprise qui prospère bien. Qu'un de ses amis occidentaux vient pour dire ah mais j'aime ce Guinéen parce que c'est bien placé. Mm-hmm. Ouattara va vous enlever sans indemnisation. C'est pas la famille Bondy qui me dira le contraire. La famille Bondy qui est en train de souffrir, ça fait au moins 10 mois. Il dorme à la belle étoile. Dramon Ouattara ne fait rien. Mes frères du Nord, c'est vous qui avez pris les armes pour installer Dramon Ouattara. Voilà. La casse à Bobo vous a servi de parapet pour pouvoir tirer sur nous. Voilà. Vous étiez embusqué dans les forêts pour pouvoir tirer sur nous. Maintenant, Dramon Ouattara est venu. Votre petite casse où vous gagnez votre pain, Dramon Ouattara a rasé et dit non, c'est sale. Mais il oublie que c'est de la saleté, vous êtes embusqué pour tirer sur nous. Voilà. Donc, ne continuez pas tout. Il ne faut pas que le gars il vous baigne toujours. Voilà. Essayez d'ouvrir les yeux.
ne soyez pas animé par le fanatisme aigu. Voilà. Parce qu'on dit, quand tu es ignorant, tu es un danger pour toi-même et tu es un danger pour la société. Donc ne soyez pas des dangers pour vous-même et un danger pour votre entourage. Voilà. Donc moi, c'était mon petit direct. Et si mon jeune frère a quelque chose à ajouter, il va ajouter. Je vous donne un peu... Attends. 119 connectés, ça va faire 112 partages. C'est pas payant. Voilà. Parce que si tu es sur le mur de dessins animés, c'est que tu adores, tu aimes ces, tu adhères à ces idéologies. Donc il faut partager. Voilà. Partager là, ça, on va pas vous tuer. Parce que le fait que vous êtes là, je vous répète, vous touchez vos noms, je vois ici. Eden Ouraga, vous touchez, vous voyez ici. Kofi Samuel, vous touchez, vous voyez ici. Donc, une fois que tu es sur cette vidéo, tu partages pour que ça tombe dans eux les oreilles. Voilà. Il n'y a pas de monde qui existe. Dans le cas contraire, on va attendre Jésus. Voilà. Parce que vous dites Dieu. Vous êtes des dieux. Mais on était créé à l'image de Dieu. Nous sommes des petits dieux. Aidés. Voilà. Donc si Dieu, notre papa, Dieu qui est en haut là, il est là-bas actuellement là. Mais il a mis ses enfants. Il a mis ses enfants devant les faits. À vous de montrer à Dieu que ouais, vous pouvez le représenter s'il n'est pas là. À vous de montrer à Dieu qui est au ciel que vous pouvez le représenter si la terre s'il n'est pas là. Mais vous êtes là, on attend Dieu. Pendant que les serpents viennent et ils vous piquent. Les serpents, c'est pas à blaguer. Adam et Ève, ils sont les maillés fruits. On est mort. Le même serpent veut récidiver. Vous êtes là, non, on attend Dieu. Mais Dieu ne va vous maudire. C'est pas blanc même. C'est en nous maintenant. Voilà, prévenez les soyez, c'est pas blanc. Voilà. J'aimerais entretenir surtout la population de Yopougon. Là où on était victime de certaines choses. Yopougon. Si vous vous rappelez bien, dans la crise post-électorale, j'y étais. C'est moi, Bobadé. D'autres m'ont dit, amour, misère, c'est moi. On était là sur tous les fronts. Ils savent ça très bien. Passant par base navale de Kogoro. Vous comprenez, ça pour vous dire que les blancs nous ont un peu, comment je peux dire là, nous ont un peu berné quand on voyait les images. Je vous dis aujourd'hui, parce que l'histoire me revient. Quand je suis venu ici, il y a mon ami français. Vous voyez, il y a mon ami français qui me disait, vous voyez les images, vous voyez Jésus, vous voyez une main tendue comme ça. J'ai oublié le nom, mais c'est une reproduction. Tu peux être là et tu vas lancer ça, l'image même dans le ciel, et ça va reproduire ce que toi tu vois. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils nous ont fait des trucs reproductifs dans le ciel. On dit, oh, Jésus va aider la Côte d'Ivoire. Oh, Jésus va aider la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tellement testé les Ivoiriens. Ils savent que nous, les Ivoiriens, nous sommes adorateurs. Nous sommes Dieu. Et ils vont passer par ça pour nous bénir. Mais je vous dis non. Arrêtons tout ça. Arrêtons tout ça. Regardez nos pays voisins, le Burkina Faso. Ils ont agi à cause de quoi? Il a fait tous ces sales besoins qu'il devait faire au Burkina. Mais quand il s'agissait de la constitution, le peuple s'est levé. Malgré que l'armée française, je dis bien malgré que l'armée française était au Burkina. Mais est-ce qu'ils ont, est-ce que l'armée française est sortie? C'est pas parce que les Français ont conçu. Mais ils savent que quand un peuple se lève, rien ne peut l'arrêter. Quand un peuple se lève, déterminé, rien ne peut l'arrêter. Un peuple déterminé, rien ne peut l'arrêter. Il a fait exprès de venir voter sa constitution en invitant Manuel Valls. Et puis vous allez avoir peur de sortir parce que Manuel Valls est là, ses chars allaient sortir, les avions allaient sortir parce que le premier ministre français là, on ne fait rien à ça, on ne mange pas ça. Manuel Valls a dawa, on ne fait rien à ça. C'est de ça qu'il s'agit, vous voyez. Qu'est-ce que vous attendez même? Mamadou Koulibaly. Abdoulaye Sangaré, Boni Claveri, Abel Naki, il n'aura pas de mot d'ordre, ne lancez aucun mot d'ordre. Si tu es là, tu es conscient qu'aujourd'hui, ce sont tes terres, si tu es conscient aujourd'hui, Ouattara va se permettre d'élire ou bien de voter ou bien de. Il a une majorité dans le Sénat. Non, il n'élit pas. Il vous impose. Il vous impose, nous voilà. Sommes au Sénat, à combien de pourcents? Et vous allez voter. Mais attendez, c'est quoi ça là? Dans quel pays nous sommes? Vous nous dites en même temps, nous on arrête. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tout ce que nous faisons, on arrête. Et ce sera mieux. Parce que ça nous fait mal. On ne peut pas pleurer devant vous. Mais quand nous sommes assis là, on pleure. On pleure. On pleure pour qui? Parce que c'est vous. Vous vivez dans des conditions misérables. C'est de ça qu'il s'agit. Nous on est ici, on mange, on dort. Mais on pense aujourd'hui aux Ivoiriens qui sont là en Côte d'Ivoire. Comment un Ivoirien dans son propre pays ne peut pas se retrouver? Et à, oui. à cause de ce combat, non plus longtemps en Côte d'Ivoire. Sinon, en temps normal, quand tu es réfugié, tu parles en Côte d'Ivoire, tu passes, on sait comment on fait parler en Côte d'Ivoire. Mais parce que vous nous tenez à cœur, raison pour laquelle on a
On a pris nos courage à deux mains pour continuer le combat. Sinon, en Côte d'Ivoire, ça qu'on n'est pas à demander. Dessin animé à Bobo, il a fait ses exploits. Dessin animé à Yopougon, il a fait ses exploits. Donc, ceux qui parlent pour du Nord, que ouais, venez à Abidjan, venez à Abidjan. Venez à Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan. Ouais, c'est passé. Moi, j'étais à Abidjan. La preuve, il y a des gens qui sont morts. Voilà. Moi, je sais que c'est vivant. Voilà. Pas qu'il y ait triché. Mais pour ceux qui me connaissent, ils ont vu ma compétence. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de du Nord. Que vous êtes là, vous parlez, vous gueulez, non. Chacun a sa part de responsabilité à jouer. Chacun doit écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce n'est pas Gbagbo qui va venir là-bas, qui va sortir dans ces pays pour venir dire ce que vous devez faire. Gbagbo vous a tout appris. Voilà. Il vous a tout appris. La preuve en est. Quand ton papa, il est cultivateur, quand tu es son fils, il te donne machette, il te donne d'abord, il est allé en champ, il te montre un peu. Après, il ne veut pas tout te montrer. Voilà, il ne vient pas te montrer, il te laisse maintenant tomber la brûlée à la terre. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça doit être inné. Voilà, on n'apprend pas, même bien vrai que la répétition est pédagogique, mais on n'a pas tout aussi dans la pédagogie. Voilà. Gbagbo vous a appris maintenant. Mettez en exécution ce que vous a appris. Voilà, parce que Gbagbo, actuellement, il est engagé. Voilà, il est déporté. On le rend en esclave. Un gars qui aimait la liberté. Là, actuellement, il est engagé. C'est à cause de qui? À cause de vous. Vous. Sinon, Gbagbo. Gbagbo en prison. Gbagbo. Je vous dis que je suis venu. Il y a un truc qui ne savait pas. Gbagbo. Lorsque les Français ont commencé à le bombarder pendant 3 jours, 124 ans, c'est l'antenne. On dit Gbagbo, viens, on va marchander. Signe ta reddition. Pour ceux qui comprennent le français. Quand on dit signe ta reddition, c'est pour dire d'abdiquer. On va te prendre. On va t'amener dans un bon pays. Et tu vas vivre tranquille. On dit signe ta reddition. Gbagbo dit non, lui ne peut pas signer sa reddition. À cause voilà. À cause de qui? À vous. Cause de vous. Hein. Sinon, ce n'est pas à cause de lui, hein, mais c'est à cause de vous. Gbagbo n'a rien à cirer de vous. Il n'a rien à cirer. On peut venir le prendre comme ça. On l'amène aux États-Unis. Il est son bon professeur. Il touche son jeton. Il s'en fout. Il s'en parle la race. Il s'en parle les cacahuètes. Mais c'est à cause de vous, peuple de Côte d'Ivoire. Pour que vous soyez libre, Gbagbo n'a pas signé sa reddition. Voilà. Gbagbo n'a pas signé sa reddition. Et la preuve en est, à la CPI, il continue. Lors de sa première audition, il dit, madame, je ne regrette pas d'être là, mais on ira jusqu'au bout. Et évidemment, Gbagbo voulait aller jusqu'au bout. Parce que s'il ne voulait pas aller jusqu'au bout, il allait signer sa reddition. Donc, il est temps aussi de le renvoyer à l'ascenseur. Pour dire, non, ah, Gbagbo vraiment nous a enseigné. Voilà ce que Gbagbo nous a enseigné. On met ça en exécution. Mais vous êtes là, non, on attend mot d'ordre. On dit, ouais, autant de Gbagbo, Bleu Boudou donne ordre. Mais Bleu Boudou donne ordre, c'est parce que Gbagbo est au pouvoir. C'est pour laquelle vous galvanisez. Ce n'est pas l'opposition qui a donné l'autre. Parce que l'opposition n'est pas au pouvoir. Voilà, mais l'opposition, ils utilisent des fruits de style. C'est comme un commentaire composé. Quand on vous met un commentaire composé devant vous, il y a des énigmes qu'il faut déceler. Mm-hmm. Voilà. Donc, il faut faire un appel à son raisonnement pour pouvoir déceler ces énigmes. Voilà. Moi, il voit mal Abdoulaye Sangaré en train de venir dire, ouais, sortez dans les rues, allez tout casser, sortez dans les rues, machetez tout. Ça va jamais se passer. Jamais. Il y a plus l'exemple ici en France des syndicats, la CGT. Ils appellent les manifestants à aller faire barrage contre la loi du travail. Mais les gens, quand ils sortent là, ils sortent les sacs, ils ont les petits marteaux. Mais est-ce que quand les chefs là disent, est-ce qu'ils disent, ouais, venez les marteaux? Non. Ils ne disent pas venez les marteaux. Ils disent sortez, on fait barrage. Mais ils sortent les petits marteaux, les petits haches pour enlever le bouton pour aller ça. Donc c'est pour vous dire, quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Il y a tout ce qu'on dit et il y a tout ce qu'on fait. T'as quelque chose à ajouter? J'ai plus de gens, voilà. Parce que j'ai mal. Ivoirien, voilà. J'ai mal. C'est à vous le destin. Voilà. L'histoire doit s'écrire par vous, chaque voilà. Ivoirien. Vous avez vu le jour qu'ils ont molesté. Les policiers ont frappé. Pourquoi? Parce qu'il est sorti. Voilà. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ils vont frapper. Autant que nous sommes là, on a tous des parents dans l'armée. Ils sont tous là-bas. Un moment, ils vont faire. Et puis, ce que vous ne savez pas, je vais tout retirer. Voilà. L'armée est là pour assurer la protection des biens et des personnes. Si vous sortez comme un seul homme, l'armée ne pourra jamais tirer sur vous. Jamais. L'armée ne pourra jamais tirer sur vous. N'ayez autrement dit, si l'armée tire sur vous, rappelez-moi dit, ah, Draman Ouattara massacre sa population. Draman Ouattara massacre sa population. Au fait, la politique, c'est comme un jeu. C'est le jeu de l'audace. Voilà, il faut être audacieux, prétentieux, pour pouvoir aboutir à ses fins. Sinon, si vous manquez d'audace, autrement dit, vous serez assujetti par Draman Ouattara. Voilà, parce que Draman Ouattara a tout fait. Vous avez subi toutes sortes d'humiliations, mais vous attendez quoi? Et il a mougou vos papas.
il a un nouveau moment. Il finit vous met en prison. Il finit vous met en prison. Maintenant, pour dire que lui, c'est le lâche, le là-bas, lui, il prend vos maisons. Pour dire qu'il ne lui fait rien, vous. Et après, ça sort dans les maisons. Les Ivoiriens, c'est les Gawa. Ils ont peur, c'est les Gawa. Mais montrez que vous n'êtes pas Gawa. Montrez que lui, c'est un petit maudit enlevé sans ses yeux. Voilà, c'est pas bon. L'un n'est plus à la rigolade. Voilà. L'un n'est plus à la rigolade. Donc, je vais revenir encore. Amiral Blindé, si les gens du RDR sont descendus hier dans la rue pour aller attaquer les manifestants, c'est pas ta faute. Parce que tu as donné ce mot d'ordre lors d'une de tes vidéos. Donc, je prends la communauté nationale et internationale à témoin. Voilà, c'est toi qui as lancé les militants du RDR aller agresser les manifestants qui manifestaient à main libre, à main libre du Moïse. Voilà, donc tu as quelque chose à dire. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Oh le cœur. On y va. On y va. Voilà. Ciao, ciao. Donc, on va écouter une petite musique là, en attendant qu'il y ait une petite idée vienne encore. Parce qu'on n'a pas fini. Hein. Voilà, c'est trop facile ça là. C'est trop facile. Voilà, on attend Modot. Modot c'est quoi? Modot, sa mère con. Modot son babiaya. Il vous dit ça. Voilà. Même les animaux, hein, c'est le suivi. Poulet là, poulet quand tu veux le. Poulet quand tu veux le gorger. Poulet quand tu veux le gorger. Il se défend. Mm-hmm. Il se défend même. Souris. Quand il met col, rastop, col de souris. Hein, quand c'est la trappe, tu mets manger. Lui mange. Oh pourtant, il est dans le piège. Hein, mais il dit au pays des gâtés. Gâté et roi. Quand c'est gâté, on gâte toute la ligne. Ça, c'est un problème nous aussi. Voilà, retenez bien. Au pays des gâtés, gâté et roi. Quand c'est gâté, on gâte toute la ligne. Mais vous êtes là, non, on attend Jésus, on attend Dieu. Mais c'est vous-même qui êtes Dieu. Voilà, parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. C'est vous-même qui êtes Dieu. Voilà, donc, on ne doit pas tout vous dire. Les gars, on ne doit pas tout vous dire. Parce que vraiment, vous avez subi beaucoup d'humiliation. Mais vous attendez quelle humiliation pour vous lever? Vous attendez quoi? Il a baisé votre papa. Il a baisé votre maman. Voilà. Il a mis ton petit frère en prison. Maintenant, pour montrer que c'est le lâche, il vous arrache vos maisons. Voilà. Et c'est un peu. Et puis, il rit, il s'en fout. Hein. Mais retenez que la peur doit changer de camp. Et la peur a changé de camp. Voilà. La peur doit changer de camp. Et la peur a changé de camp. Donc, sur ce, mes frères Ivoiriens, prenez votre destin. Amen. À prendre le corps afin de pouvoir bouter Ouattara hors du pouvoir. Parce qu'il n'aura pas de mot d'ordre. Voilà, sur ce, moi c'était le dessin animé. Maintenant, lui qui est gris, il ne fait rien lui. Voilà, lui qui veut m'insulter sur ma vidéo, merde pour les salons pour me dessus. Voilà, vous parlez, non, tu fais une vidéo dans le salon, tu fais. Mais moi, dans le salon, là, c'est pas dans le salon, je mange. Hein. C'est pas dans le salon, je bois, je me promène. Ils vont faire quoi même? Voilà, ils font c'est pas dans le salon, je bois, c'est pas dans le salon, je mange, je me promène. Voilà, ici dans les métros, ici partout. Voilà, donc sur ce, le moro, t'as que ça à dire. Non, je n'ai plus rien à dire parce voilà. Que j'ai mal. Voilà, nous on a mal. J'ai mal de ce qui se passe encore, tu vois, j'ai mal. Donc, bon. On va faire les petits bigas rapidement, on va se laisser. Attends. Je vais faire les petits bigas rapidement. Bon. On commence les petits big up là. Big up à Guy Larion. Big up à Mohamed le Catalan. À Maestro l'original. Tapé Chagui, Redman. Ouais, Manu Chedou, il dit ma mère con. Ouais, t'es béni, champion. Big up à Dieu est cool. Big up à Gwem Arou, tapé cool. Willy Dago. Big up à Ablo Aliko Keita. À, on se pardonne à qui encore à, il ment, tu es obligé d'écouter. Bon, Louma, ouais. Elton Lionel et Ouma. Eli Pignel, voilà. Zorelli, Jérémy, voilà. Bon, les gars, il y a une panoplie de noms. Voilà. Big donc, up à Aïe Poutchel. Voilà, big up à mes éléments maintenant. La charité vient de commencer par soi-même. Big up à Johnny Pacheco de la Gossi Gang. Big up à Guy Anticonformiste. Big up à Dre Boni. Big up à Vivi Lamou. Big up à Dolvat Premier de la Scandinavie. Big up à Frère Guide depuis sa production. Big up à Hervé Djedje. Big up à Popito, le démocrate. Big up à Général Barakat. Big up aussi à qui ça même? Philippe Babo. Big up à Philippe Babo, chef du village. Big up à SLPG, seul le peuple gagne en ensemble. Voilà. Là, big up à All Black Moro. Orléans. Big up à Eric Nano, alias Demisognon. Là de la parole, le retireur. L'homme pour qui le Noussia n'a pas de secret. Voilà, big up. No boy, tu respectes. Big up à mon vrai Mogor depuis Toulouse. Alain Guédé de Toulouse. Ouais, sans jaillir.
Big up à Aurélie Bayro. Big up aussi à moi-même, il me big up. Voilà, si, si. Ciao, ciao. Dans la morale, c'est 144. Hein. Moi, ça, partager. Voilà, c'est gratuit. Voilà. Ne soyez pas aigris. Si vous partagez, nous, on n'est pas là. Voilà, on ne gagne pas l'argent. Parce que nous, on n'aime pas l'argent. Voilà, on aime dire la vérité. On aime vidéo. Parce qu'on veut, on est, nous sommes là pour vous. On veut vivre conscience. Voilà, sinon, autrement dit, on pourrait rester vivre là dans l'anonymat, tranquille. On fait notre business, on bouffait. Mais si on s'est affiché là, c'est à cause de vous. Il y a un qui parle, non. Et pourquoi vous ne portez pas marcher? Je vous l'ai dit, d'un avion, si tout le monde voulait être pilote, il n'allait pas avoir de passagers. Il n'allait pas avoir d'hôtesse. Voilà, chacun a son rôle à jouer. Voilà. Et les vidéos même sont plus exposées parce que eux, tout le monde les voit. Voilà, moi, tout le monde me voit. Voilà. 23 000 followers. C'est-à-dire, ici, je suis pas 23 000 personnes sur ma page. Voilà. Mais quand on marche, on est la masse. Et c'était répertorié. T'es pas répertorié. Tu finis de marcher à midi. C'est temps chez toi à la maison. Ok, moi, ma photo est toujours là. Ma photo est toujours là. Même les féticheurs, ils peuvent prendre ma photo pour les mettre en fétiche. Mais comme Dieu est Dieu. Voilà, parce que moi, je suis un petit Dieu. Parce qu'il est ici créé à l'image de Dieu. On prie, hein. Voilà. Vous passez, vous voyez, on prie. On n'est pas un chef assis. Et les gens, c'est des propos philosophiques. On dit, ouais, les gens veulent profiter de la religion pour endoctriner mes frères du Nord. Bien vrai que la religion est le pium du peuple, mais à un moment, il faut abdiquer. Parce que le gars, le drogué, là, souvent, là, quand il se drogue, là, après, là, il s'en fait sa cul pour pouvoir se désintoxiquer. Donc, si vous dites la religion est l'opium du peuple, à un moment donné aussi, il faut aussi abdiquer. Voilà, pour être dans la réalité. Ne soyez pas dans la gamberge, ne soyez pas dans les rêveries imaginaires, ne soyez pas dans le mirage. Voilà, si c'est tout mon mot de fin, big up, on est ensemble. Voilà. Et bon dimanche en vous. Nous, on se met bien. Et puis, il y a faux qui dans. Ciao, ciao.